Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la spirale spectrale de cette 27e tour de combat. Alors, on va avoir du cloud qui va changer d'élément. Donc ça, c'est cool. Déjà les mobs commencent à être compliqués là, ça va pas le faire. Ah tiens, il a plus la même arme, dis donc. C'est quand même mieux de faire plus de dégâts. On va voir un petit peu ce que ça donne les réussites ici. S'il y a une progression ou pas. Là, il y a encore 1000 places de plus hein, quand même. C'est quand même un plus non appréciable. Non appréciable, n'importe quoi. Un plus très appréciable, justement. Ah, est-ce qu'ils vont nous faire le coup de la spirale où le cloud va prendre tous les éléments? J'ai l'impression que c'est parti pour. Ah, ça fait bizarre de voir Cloud avec des épées différentes et forcément bah, d'éléments différents aussi. Yeah.
Bon, et ben voilà, ça c'est bien aussi. Alors, 12e victoire. On sent que les gains, que le gain de place va être moins important à l'avenir. Ah, le terre. Celui qu'on a croisé tout le long. Ça, c'est sympathique. Bon voilà, ça c'était le côté sympa qui était facile. Bon, on prendra derrière bien sûr encore un autre facile avec le vent. Enfin, j'y facile en façon de parler. Ah non, on passe directement à la lumière, d'accord. Non, il n'y aura pas le vent alors. Bon, bah ok, pourquoi pas. Hein. Ouh, l'épée. Sacré épée, dis donc, Cloud.
Bon, ça c'est gratuit tout ça. Voilà. Bon, du coup, on va voir celui d'ombre. Pour clôturer. Mais comme on le voit effectivement, il n'y a plus trop de gains de place. Hein. Et donc du coup avec les tickets de compétences à gruger à foison. Qu'est-ce que c'est cette épée? Non mais sans déconner.
Voilà, non mais. Ouais, j'avais pas envie de faire les autres éléments, mais bon. Ça aurait été plus viable à faire pour ceci. Et voilà, un beau petit. Une belle petite progression avec bah, la fin d'une première boucle. Donc ça, c'est cool. Donc on a les 5 tickets, c'est ça, de compétences? Exactement. Et après, c'est par après, hop, voilà, des boucles à foison. Donc il y a clou de tous les éléments sauf. Bon. Et bien entendu, à force d'avancer dans la boucle, eh bien, c'est de plus en plus compliqué à réussir les quêtes. Donc, hop, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Et donc, on va faire un petit tirage, comme l'épisode d'avant, sur la Suprême Bis. Et t'as sur une nouvelle carte de classe ou pas? N'a pas de nouvelle carte, donc pas de job non plus. Et pas de suprême, pas de job. Eh ben c'est bien pourri ça. Mais, contrairement à la fois précédente, on a une carte de chaque élément au moins. C'est rigolo ça. C'est sympathique. Le coup d'avant, on avait pratiquement que du feu, là on a un peu de tout. Ok, et bon, sur mon prochain tirage que je ferai. J'aurai une nouvelle classe garantie. Et donc on verra ça ben, lors du prochain event qui attaquera. On verra bien ce que ça sera. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. C'est Moebius Final Fantasy. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde. Et oui, il y a l'event de FF8 qui va se finir bah, dans pas longtemps, hein, au niveau de diffusion, bien sûr. Hein, pour la partie principale, du coup, jusqu'au. Vraiment, on va dire l'event principal, je crois que c'est. Oui, ça sera fini quand ça sera diffusé, quand ça arrivera, ça. Mais il y aura le petit annexe qui sera après. Et forcément, voilà, c'est le tirage qui aura dedans, ça sera pas celui lié après celui-là, donc voilà, pas de fausse joie. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Tchuss.